C'est un privilège pour Myriam, Clara et moi d'être des vôtres ce week-end. Merci encore pour l'invitation à vous rejoindre. Je vous invite à une lecture dans le livre des psaumes, le psaume 27. Nous avons déjà entendu une partie de ce psaume, le verset même sur lequel je vais particulièrement m'appuyer ce matin pour la prédication. Nous avons déjà entendu dans le cadre du moment de louange tout à l'heure psaume vingt sept de david l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te remercions pour ta parole qui est plus précieuse pour nous que l'or, qui est plus douce à notre palais que le miel. Demandons de nous fortifier par l'Esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Donne-nous de comprendre ce qu'est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Donne-nous d'être équipés pour les luttes de la vie chrétienne qui se présenteront à nous durant les mois à venir. Donne-nous de serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que nous te demandons pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Les circonstances de David dans ce psaume sont difficiles, et il en est de même de bien des croyants du 21e siècle. Si David est poursuivi dans ce psaume, il en est de même de bien des frères et sœurs de par le monde ces dernières années, chassés de leur foyer, pensent à l'Irak ou à la Syrie. Dans le verset 10, David évoque l'abandon, le fait d'être abandonné par son père et sa mère. Les personnes musulmanes qui se convertissent au Christ aujourd'hui doivent souvent faire face à un tel rejet. Le psaume parle de faux témoins. Même en Occident, les propos de nos croyants sont régulièrement déformés. Si nous sommes chrétiens, des personnes de notre entourage, de notre famille, de notre voisinage risquent de ne pas nous apprécier, car nous refusons de suivre la société en matière de relations sexuelles, hors mariage, de homosexualité, de travail au noir. Et puis il y a la lutte contre Satan qui rôde comme un lion rugissant. Ensuite, nous sommes engagés dans une guerre contre le péché. Nos désirs charnels font la guerre à l'âme. Mais voici une bonne nouvelle. Nous pouvons mener le combat de la vie chrétienne avec assurance, remplis de confiance doté d'un certain tonus. Pour cela, il suffit de saisir en quoi consistait le secret, en quelque sorte, de David dans le psaume 27. Il se trouve dans le verset 4. Dans le psaume 27, verset 4, David demande une chose. C'est notre premier point de ce matin, l'unique désir de David. L'unique désir de David. Ce n'est pas la seule demande que David formule durant sa vie tout entière, mais il s'agit de sa priorité suprême lorsqu'il est face aux ennemis. Quelle est alors cette chose capitale Verset 4. Je demande à l'Éternel. Une chose que je désire ardemment. On sait ce que ça donne d'avoir une chose seulement en tête. Ça peut être l'attaquant qui vise à, à marquer le but. Cette chose que David désire ardemment, c'est quoi? Toujours le verset 4. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il voudrait habiter tous les jours de sa vie dans le temple. Il faudrait réfléchir à cela. Je ne suis pas sûr qu'il souhaite habiter littéralement dans le temple. Il ne provient pas de la tribu de Lévi. Il est peu probable qu'il soit en train de demander à Dieu de, de pouvoir changer de tribu en vue de pouvoir s'acquitter des tâches liées au tabernacle. Rappelons-nous qu'il n'y a pas encore de son vivant de temple fixe en tant que tel. Les termes temple et maison sont bien employés pour désigner le tabernacle, et c'est cette tente mobile que David connaît. Or, David ne deviendra jamais le grand prêtre ayant accès aux lieux très saint une fois par an. Et en tout cas, une fois par an n'est pas ce qu'il demande dans notre verset 4. Il veut habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et l'idée de passer le reste de ses jours au sein du tabernacle en soi ne semble pas à la hauteur de la demande. Mais rappelons-nous aussi qu'à son époque le tabernacle c'est là où Dieu résidait particulièrement. David peut donc employer le langage du tabernacle pour évoquer la présence de Dieu, vous voyez. Ailleurs le psalmiste peut languir après les parvis de l'Éternel, ce qui correspond, lisons-nous, à languir après le Dieu vivant. Pareil ici, me semble-t-il, David n'est-il pas en train de demander la proximité avec Dieu Une proximité perpétuelle. Être constamment auprès de Dieu, connaître cette intimité avec le Dieu vivant, c'est là son unique souhait. Et chercher cette intimité avec Dieu, cela se traduit comment Vous voyez dans notre verset, toujours le verset 4. D'abord, contempler la magnificence de l'éternel. David voudrait contempler, méditer, comprendre, apprécier, se délecter de la beauté de Dieu au plan figuré, de sa magnificence, de ses attributs merveilleux. Il est question de, de piété, de, de consécration, d'adoration pour lui. Pensez au jeune homme qui se délecte de la compagnie de sa fiancée, sauf pour le fait que chez la fiancée, il y a des défauts. Chez Dieu, la beauté est toujours époustouflante. Je pense à mon épouse euh, Myriam qui a euh, fait l'effort l'an dernier de se lever tôt pour aller contempler le lever du soleil sur une plage magnifique, sauf pour le fait qu'elle est arrivée un peu en retard. Et même dans le meilleur des cas, ça ne dure pas longtemps, mais Dieu est là en permanence. Et puis la seconde partie de la recherche de l'intimité avec Dieu. Il y a un certain flottement dans les traductions. J'ai sous les yeux Admirer son temple et je sais que le frère qui a cité ce verset dans le cadre de, du moment de louange a aussi euh, utilisé ces mots, Admirer son, son temple. Il y a des raisons d'aller dans le sens d'autres traductions et de préférer quelque chose comme M'enquérir de lui dans son temple. Le verset 11 va dans ce sens, Éternel, enseigne-moi ta voix. Il me semble que David veut se soumettre à la volonté de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et m'enquérir de lui. En son temple. Voilà donc en quoi consiste le secret de David, une relation intime avec Dieu. Voici le moyen par lequel il peut mener le combat avec assurance. Face aux ennemis, il est rempli de confiance quant à sa protection et à sa délivrance. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Il me semble que David s'appuie sur des promesses qu'il a reçues. Dieu a promis d'établir sa royauté, ce qui entraîne la délivrance face aux ennemis. Il s'agit dans son cas d'une délivrance physique. David médite le caractère de celui qui lui a promis de le protéger et il poursuit résolument cette intimité avec Dieu en contemplant sa magnificence et en s'enquérant de lui. Et le bilan, c'est qu'il est doté d'un certain tonus malgré ses circonstances difficiles. Et ce qui vaut pour David peut valoir pour nous également, mais sous forme transposée pour tenir compte du fait que nous ne sommes pas David. Il y a des similitudes entre ses luttes et les nôtres, entre ces circonstances et les nôtres, mais l'ancienne alliance qui régissait sa relation avec Dieu n'est pas la nouvelle alliance qui régit notre relation avec Dieu. À coup sûr, il nous faut nous approprier le verset 4 face à nos luttes, mais si nous, nous voulons nous l'approprier de façon juste, il faut passer par celui dont David est l'ombre, celui sur lequel David anticipe, celui qui est plus grand que David, notre deuxième titre de ce matin, L'unique désir du Christ. L'unique désir du Christ qu'on ne s'y méprenne pas. Les souffrances de David ne correspondent qu'à une ombre des souffrances du Christ qui sont plus profondes. Est-ce que nous pouvons donc nous figurer Jésus au moment où sa mort approche entouré d'ennemis et de personnes qui se révéleront de, de faux témoins, trahis par Judas sur le point d'être renié par Pierre, des soldats lui frapperont bientôt la tête, cracheront sur lui, se moqueront de lui, il sera humilié, torturé. Nous nous le figurons dans le jardin de Gethsemane, saisi d'effroi et d'angoisse, profondément troublé par la perspective de boire la coupe de la colère de son père. Figurons-nous Jésus en train de prononcer les paroles. Psaume 27, verset 4. Dans les grandes lignes, en tout cas, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel, m'enquérir de lui dans son temple. Voici Jésus dans le jardin de gethsemane il, il prie afin de rester en communion continue avec son père éloigne de moi cette coupe pensons à cette union et communion entre le père et le fils c'est l'évangile de jean qui l'expose en, en particulier le, le père connaît le fils le fils Connais-le, le Père. Le, le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père. Le Père glorifie le Fils, le Fils glorifie le Père. Le, 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 le Père aime le Fils, le Fils aime le Père. Le Père et le Fils sont un. Disons maintenant le verset 9 de notre psaume. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Voici l'unique désir de Jésus de continuer à jouir de cette relation avec son Père, cette communion, cette intimité. Voici Jésus qui brûle d'envie d'être protégé des ennemis qui l'entourent, qui savoure la, la délivrance, qui chérit la disposition favorable du Père à son égard. Jésus-Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel, m'enquérir de lui dans son temple. Voici Jésus qui poursuit résolument cette intimité avec son Père en contemplant sa magnificence et en s'enquérant de lui. Et pourtant, cet unique désir qu'avait le Christ, il a dû y renoncer. C'est précisément cela dont il ne pouvait pas jouir qu'il a choisi de laisser de côté. Pour vous, pour moi. Or, je, je sais bien, il, il faut faire attention. Jésus reste le Fils du Père, il reste le Fils bien-aimé. Il n'y a pas de rupture au sein de la Trinité. Mais le regard favorable du Père est retiré à la croix. Et Jésus expérimente un sentiment effroyable d'abandon et de solitude. Il a été prêt à... « Passez par là. » Nous figurons donc Jésus en train de chercher la face de son Père, mais aussi chercher la volonté de son Père. « Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. »« Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et en effet, Jésus s'est révélé prêt à supporter la croix, à boire la coupe de la colère de Dieu, à sacrifier l'intimité avec son Père. Son unique désir, c'était de rester en communion continue avec son Père, libéré des ennemis qui l'entouraient. Et il aurait pu invoquer son Père qui aurait pu lui donner à l'instant plus de douze légions d'anges. Mais Jésus a dû donner sa vie, a dû se priver de son désir, a dû être maudit par son Père. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quel tourment, inimaginable. Jésus, brisé par les souffrances qui sont dans une autre catégorie par rapport à celle de son ancêtre David. Mais il savait que par-delà la mort, la joie l'attendait. Il ressusciterait d'entre les morts, il monterait aux cieux, il s'assirait à la droite de son Père dans la gloire. Et du fait de passer par la croix, un jour, ses ennemis deviendront son marchepied et son unique désir, connaître sa réalisation dans toute sa plénitude et dans toute sa profondeur. Verset 10, Car mon Père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et effectivement, au final, le Père l'a reçu dans la gloire. Mais la route conduisant à ce destin était celle de la souffrance, de la croix, de la malédiction. Et c'est justement parce que Jésus a été prêt à passer par la croix qu'un jour, notre unique désir, se réalisera également notre troisième et dernier titre, l'unique désir du croyant. L'unique désir du croyant. Quel est notre unique désir Quelle est notre aspiration la plus profonde que notre cœur régénéré engendre en nous L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas implanté en nous cette envie d'être le plus proche possible de Dieu, de celui auquel nous nous adressons ainsi par l'Esprit. Abba, Père, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel, m'enquérir de lui dans son temple. Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner pour nous de poursuivre résolument cette intimité avec Dieu Eh bien, dans la prière, nous lui demanderons et redemanderons et redemanderons -re cette unique chose que nous désirons suprêmement. Cela va vouloir dire ces deux éléments que nous avons vus dans notre verset nous contemplerons Dieu et nous nous enquerrons de lui. Nous chercherons la face de Dieu et nous rechercherons sa volonté. Nous nous délecterons de lui et nous nous soumettrons à lui. Et le seul moyen par lequel ça peut avoir lieu, c'est par les Écritures, par notre soumission à la parole de Dieu. Mais concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner de contempler la magnificence de Dieu eh bien, nous pourrions prendre du temps pour nous focaliser sur tel ou tel attribut de Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur la grâce, l'amour de Dieu. Ça, ça pourrait être euh, fort de ce que nous entendons le, le dimanche matin. Nous entendons une prédication apportée par Luciano, nous réfléchissons à. À ce que nous avons entendu, nous sommes bouleversés par la, par la grâce, par la grâce, par la grâce de Dieu. Nous sommes à nouveau émerveillés par l'Évangile et nous, nous délectons, nous délectons de ça. Nous nous focalisons sur cela. Nous pensons à ce que cela veut dire pour notre vie. Nous savons que euh, nous ne méritons aucunement cette grâce nous, grâce. nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes l'objet de cette grâce. Où c'est douloureux de penser à ce que nous sommes en nous-mêmes, quelles ordures! Et si nous, nos pensées les plus dégoût, dégoûtantes de ces dernières semaines étaient représentées visuellement et affichées derrière moi, là, nous aurions du mal à nous regarder en face, n'est-ce pas? Nos actions les plus égoïstes, nos, nos propos nos, les plus arrogants, quelle honte, n'est-ce pas? Mais le problème fondamental n'est pas ce que les uns et les autres pensent, mais ce que Dieu pense. C'est encore plus terrifiant. Quelle offense à la majesté de Dieu que notre péché. Et pourtant, la grâce, la grâce, la grâce. Dieu a choisi de pardonner à quiconque se soumet à son autorité. Et il persiste à nous pardonner malgré nos péchés récurrents. Regardons la croix, nous allons le faire tout à l'heure lors de la scène. Tout est réglé. Oui, Jésus a été prêt à boire la coupe de la colère de son Père face à notre péché. Et oui, si nous nous confions en lui, nous sommes continuellement bénéfices d'un amour inconditionnel. Et donc, oui, nous contemplons la grâce, la grâce, la grâce de Dieu. Quelle croix, oh profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. Et pourtant, il nous convient de mener des efforts pour sonder, pour comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour la, du Christ à notre égard. Nous contemplons le caractère merveilleux du Dieu de notre salut. Cela fait partie de ce que, ce que ça veut dire de, de poursuivre cette intimité avec Dieu selon le verset 4. Certes, objectivement, en Christ, nous jouissons d'une... Union avec notre père qui ne peut être rompue, mais nous continuons à exprimer cet unique désir d'être proche de lui, car nous ne sommes pas encore libres de nos ennemis et il ne faudrait pas perdre de vue la seconde partie du désir à savoir rechercher la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu et rechercher sa volonté vont de père. Si en écoutant la parole de Dieu nous étions inculpés notre conscience par rapport à tel ou tel péché dans notre vie et si nous réprimions la voix de la conscience à cet égard nous ne serions plus en train de rechercher la volonté de Dieu et nous cesserions aussi de chercher la face de Dieu c'est ainsi que cela fonctionne nous chérissons la relation intime avec Dieu et cela se traduit par lutter contre ce qui déplaît à Dieu dans le contexte, le verset 4 nous fournit les armes dont nous avons besoin face à nos ennemis, y compris l'ennemi qui est le péché qui subsiste en nous. Et cette lutte doit continuer jour après jour. Mais un jour, un jour, nous verrons la face de notre Sauveur. Un jour, le diable et la mort auraient été jetés dans les temps de feuilles de soufre. Un jour, nous serons entièrement glorifiés, portant l'image de l'homme céleste, notre frère aîné, le Seigneur Jésus. Ou selon le propos du verset 13 de notre psaume, un jour, nous contemplerons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Entre-temps, nous continuons à viser cette intimité avec Dieu à chercher la face de Dieu et à rechercher sa volonté, à nous délecter de lui et à nous soumettre de lui, à lui. Nous contemplons sa beauté et nous nous enquérons de lui et puis nous sommes équipés pour faire face à nos ennemis avec assurance, remplis de confiance, dotés d'un certain tonus. Mais veillons à nous appuyer sur les promesses que Dieu nous a faites il nous a pas promis la protection physique dans cette vie il a bien promis de nous protéger spirituellement de ne pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces il a promis qu'il donnera le moyen de supporter la tentation et il nous a promis de nous garder dans la foi jusqu'au bout les épreuves peuvent être rudes mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons entendu déjà, encore une fois, dans le cadre de cette rencontre, lue par Olivier. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Un missionnaire en l'Afrique de l'Est au XIXe siècle était en captivité sous tente dans des conditions épouvantables. Figurons-nous la, la scène. Une nuit, il est nettement privé de sommeil, il ne dort qu'une heure. C'est à cause du bruit des gardes ivres et de la vermine dans sa tente. Il note à ce moment-là dans son agenda effondré et abattu, réconforté par la lecture du psaume 27. Peu après, il est mis à mort. Mais cela ne veut pas dire que le fait d'être réconforté par le psaume était mal placé. Ce qui nous est promis dans la nouvelle alliance, c'est que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Comme notre Seigneur, nous passons par la souffrance en route pour la gloire. Et nous sommes fortifiés sur cette route en exprimant résolument à Dieu notre unique désir, connaître cette intimité en cherchant sa face et en recherchant sa volonté. Nous pouvons être assurés que Dieu nous conduira à bon port. Je conclue par une illustration contemporaine de la mise en pratique de notre verset suivie par deux illustrations tirées de l'histoire de l'Église. Et les trois illustrations concernent l'ennemi qu'est le péché. Considérons donc d'abord la lutte contre les pensées de luxure. Comme l'affirme le grand prédicateur contemporain John Piper, il ne suffit pas de dire non à de telles pensées. Il faut passer à l'attaque. Donc voici. Selon le Nouveau Testament, les pensées de luxure sont trompeuses et relèvent des désirs que nous avions lorsque nous vivions dans l'ignorance. Comment passer à l'attaque Certes, on rejette la tromperie, on rejette l'ignorance, mais comment passer à l'attaque Eh bien, nous remplaçons la tromperie par la vérité glorieuse. Et nous remplaçons l'ignorance par la Connaissance de ce qui est beau par les promesses fiables de Dieu, par ce qui, est, ce qui satisfait notre âme. Autrement dit, nous mettons en pratique le verset 4 de notre psaume. Et justement, je connais quelqu'un qui lutte avec la pornographie depuis des années, mais il a fait d'énormes progrès dans cette lutte. Pourquoi Parce que c'est un modèle en matière de mise en pratique du psaume 27, verset 4. Il m'a donné la permission de le citer, il a été bien formé au plan théologique et c'est une traduction de sa langue de toute façon, mais voici ce qu'il affirme. Le changement clé pour moi ces jours-ci, c'est que mon désir de pécher a diminué et mon désir d'être proche de Jésus a augmenté. Par ailleurs, je m'approprie mieux la grâce de l'Évangile et la joie dans l'Évangile lorsque je tombe. Ce n'est pas que je néglige d'être brisé par le péché, mais que j'ai plus tendance à courir vers notre Père au nom de Jésus pour confesser le péché et pour croire véritablement la bonne nouvelle de l'Évangile et le verdict de Dieu en Christ à mon égard. En fait, je mène le combat simultanément sur plusieurs fronts, non seulement contre les désirs sexuels, mais encore contre l'orgueil, l'amertume, la jalousie, des accès de colère. J'ai dû appliquer à tout cela la contrition, la confession et l'appropriation de la grâce, le remède de la joie en Jésus, grâce à l'Évangile. Les deux illustrations tirées de l'histoire de l'Église, je trouve extrêmement motivantes. Le grand théologien américain Jonathan Edwards a été grandement utilisé par Dieu lors d'un réveil il y a près de trois siècles. Et durant ce réveil, son épouse Sarah est passée par une expérience particulièrement marquante qui a duré deux semaines. À cette époque, elle était trop portée vers ce que les uns et les autres pensaient d'elle. Elle recherchait l'approbation de son mari en particulier. Mais, durant ces deux semaines, elle a été transformée à cet égard. À force d'être absorbée par Dieu et à force de se soumettre à Dieu, elle s'est affranchie progressivement de ses préoccupations quant à comment elle était perçue par les autres. Et elle a connu de plus en plus de joie dans le simple fait d'être acceptée par Dieu. Et ce n'est pas un secret que l'Évangile progresse très nettement en Chine ces dernières décennies. Par la providence de Dieu, l'une des chevilles ouvrières de ces progrès de l'évangile là-bas, c'est le missionnaire du 19e siècle, James Hudson Taylor. Et un auteur, Tim Keller, nous fait part de ce qui peut être considéré le secret de Hudson Taylor. Il veillait à ce qu'il se voit constamment rappeler une prière qui provient d'un cantique. On suppose qu'il prononçait régulièrement cette prière également. Cette prière consiste à demander que Jésus soit plus présent pour lui et plus précieux pour lui que tout ce qui se trouve sur terre. La vie chrétienne peut être intimidante. Nous sommes engagés dans un combat contre le monde, la chair et le diable. Mais. Nous demandons à l'Éternel une chose que nous désirons ardemment, habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et nous enquérir de lui dans son temple. Et cela nous donne l'assurance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur Amen.